Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour et bonne année. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce premier nouveau Nouvel Esprit Public de 2024 au cours duquel, avec Mathias Feckel, ancien ministre de l'Intérieur et avocat, nous recevons François Dufour, journaliste, et François Carlier, auteur d'une somme considérable, presque mille pages sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, non seulement pour évoquer cet assassinat, mais aussi pour parler de la manière dont se forme et se diffuse le complotisme. Donc. Euh, le 22 novembre 1963, le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, était assassiné alors qu'il traversait la ville de Dallas, au Texas. À l'occasion du 60e anniversaire de cette tragédie, les médias nous ont replongé dans ces méandres avec une couverture presque aussi opulente qu'en 2013. Preuve que, L'événement devenu rapidement une énigme criminelle alimentant tous les fantasmes et les théories les plus extravagantes fascine toujours et imprègne notre imaginaire collectif. Sait-on enfin ce qui s'est passé ce 22 novembre Oui, sans aucun doute, pour nos deux invités, chacun donc auteur d'un livre sur l'assassinat de JFK, François Dufour. Vous êtes journaliste, vous êtes un récidiviste de la présence au nouvel esprit public. Vous êtes cofondateur de Playback en 1985 et rédacteur en chef du petit quotidien, de Mon quotidien, de l'actu et de l'écho, publication destinée à la jeunesse. Votre petit livre publié en 2018 est limpide. Lee Harvey Oswald tire trois balles. La deuxième blesse JFK. La troisième le tue. Observé et entendu pendant son acte. En fuite, son profil est signalé, le policier Tipit essaye de l'interpeller, mais Oswald le tue de quatre balles avant de se cacher dans un cinéma où il est finalement repéré. Le reste, c'est précisément du cinéma, dites-vous, notamment le film complotiste d'Oliver Stone, JFK, de 1991, dans lequel vous relevez 24 informations erronées ou fake news. François Carlier, vous êtes quant à vous l'auteur, je l'ai dit, d'une somme monumentale, précisément 944 pages, publiée pour la première fois en 2008 et rééditée en septembre 2023, avec pour titre. L'assassinat de Kennedy expliqué, bilan définitif après 60 ans. Le résultat de cette entreprise, qui a mobilisé une grande partie de votre activité, est clair. Lee Harvey Oswald est lui seul à tuer Kennedy sans complot d'aucune sorte. Les histoires incroyables mais vraies, cela existe, écrivez-vous. Dans sa préface à votre ouvrage, Philippe Labro écrit :« J'ai balancé et parfois hésité, parfois tenté d'accepter la version du complot, mais avec le temps, avec la réflexion, avec mes propres travaux, je persiste et signe. Il existe une vérité solide. Il existe ce que de grands historiens américains ont appelé la tragédie sans raison. Cependant, cette clarté des faits. » Ne se reflète pas dans le traitement de l'affaire par de nombreux médias et journalistes français, qui oscillent entre scepticisme et théorie du complot. Au rang de ceux qui expriment des doutes figurent des personnages médiatiques, des journalistes et des auteurs connus, de Laurent de à Thomas Soto, qui popul popularisent leurs doutes, tandis que d'autres, comme Franck Ferrand, Marc Duguin ou Jean-Alphonse Richard, penchent vers le complotisme. Avant de vous interrogez avec Mathias. J'aimerais que vous nous disiez d'abord comment vous êtes chacun devenu des experts du meurtre du siècle, pour reprendre l'expression d'un autre complotiste, le regretté Alexandre Adler, toujours rediffusé sur France Culture. François Carlier. Oui, alors j'allais dire que vous venez de résumer mon livre. En quelques mots, je... Ça, je dois dire 944 <laughs> pages en 4 <quatre> lignes. <laughs> C'est un exploit que je n'avais <laughs> pas imaginé faire. Pour ma part, j'ai... Si je suis devenu un spécialiste de l'affaire, c'est parce que j'ai passé des années à l'étudier, euh, à vouloir chercher euh, la vérité. Puisque Kennedy n'est mort qu'une fois, il y a donc une version, mais euh, vous venez de le dire, il y a énormément de versions alternatives qui existent. Donc moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est d'aller chercher la vérité, de séparer les faits de la fiction. Voilà. Ça m'a pris énormément de temps, parce qu'il y a justement beaucoup de théories. Il y a à peu près 200 livres que j'ai lus et que j'ai achetés et qui m'ont pris déjà des années à lire, à étudier, à analyser. Sans parler des documentaires, la visite des lieux et des rencontres aussi avec les chercheurs, les témoins et ou les le chirurgien qui a opéré Kennedy, enfin des gens comme ça qui m'ont apporté leur euh, j'allais dire les, les sources primaires qui, qui étaient nécessaires. Et à l'issue de cela, euh, je, je rejoins euh, François Dufour, mon ami, dans nos conclusions. Pour nous, enfin pas pour nous, je veux dire. Il n'y a plus de controverse possible. L'homme honnête est obligé d'admettre que effectivement, Liars oswald est le seul assassin. La logique le démontre, la science l'a prouvé maintes et maintes fois, et les faits sont là et parlent d'eux-mêmes. Au départ, vous êtes parti avec l'hypothèse qu'il y avait un seul assassin, ou qu'il y en avait plusieurs, ou qu'il y avait une que la CIA ou la mafia ou je sais quelle était était mêlée dans l'affaire. Alors je dirais que comme tous les gens qui se sont intéressés à cette histoire, je suis parti avec des doutes et en me posant des questions. Et je pense que tous les gens qui ont atteint les mêmes conclusions que moi, bon, M. Dufour euh, donnera son avis. Je pense qu'il dira la même chose. On a tous à un moment ou à un autre euh, admis l'hypothèse d'un complot. Bien sûr, on peut pas avoir la réponse avant d'avoir étudié un petit peu tout ça. Et donc oui, je me suis posé des questions. Et comme il y a des livres qui peuvent être impressionnant par leur démonstration, leur argumentation. Euh, ça prend du temps pour vraiment être sûr de, de où est la vérité. Euh, à moins d'être prétentieux et de prétendre la savoir avant, non, si vous voulez vraiment, euh, comme un, un policier qui fait une enquête, il y a peut-être plusieurs pistes, il doit creuser chacune des pistes et ensuite euh, voir laquelle est, la plus, la, laquelle est légitime et valable. François Dufour, vous, comment vous vous êtes intéressé à cette affaire au point de vouloir publier à son propos Moi, j'ai vu le film d'Oliver Stone. Et donc en sortant du film, euh, donc j'avais euh, 30, 30 ans, euh, bah, on, on pense, parce que le film est fait comme ça, que c'est un peu un documentaire. On oublie que c'est de la fiction et qu'il a le droit de dire n'importe quoi. Et, et donc moi aussi, comme François, j'avais des doutes. Et euh, mes doutes ont été levés quand je suis allé en 1998 à Dallas, à l'endroit même où Oswald a tiré. Donc, ce qui est devenu un, un musée, qui s'appelle le Six Floor Museum, que je recommande euh, évidemment à tout le monde. Et, et là, quand on se met à la fenêtre et qu'on regarde, euh, là, on se dit, mais Oliver Stone, il s'est complètement foutu de moi. C'est un tir super facile de 80 mètres en hauteur. La voiture est quasiment à l'arrêt. Le type est un tireur d'élite. Euh, il y a quelque chose qui cloche. Euh, vous étiez donc parti... Plutôt favorable aux thèses de Liverstone et ayant découvert, comme vous venez de le dire, que Liverstone s'était moqué de vous, euh, j'imagine que, étant journaliste et je dirais particulièrement attaché à la sincérité de l'information et à la qualité de la vérification des faits, vous vous êtes heurté à un phénomène qui est celui de la représentation cinématographique qui peut fonder une vérité alternative de manière extrêmement puissante. D'autant plus que Oliver Stone a fait exprès de tourner certaines scènes en noir et blanc, de reprendre certaines, euh, certains films ré réels, notamment le film des Appruders. Et donc ce mélange euh, fait qu'à mon avis, 99% des spectateurs sortent de la salle et se disent, bon, ben, j'ai vu un, un documentaire, comme on dit. Et, 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 et ils sont pas dit... « Ah bah tiens, euh, c'était euh, comme un roman, c'est une fiction. C'est l'imagination d'Oliver Stone. » Et évidemment, moi en 91, je n'étais pas encore journaliste, et je ne savais pas qu'Oliver Stone avait fait ce film main dans la main avec deux complotistes, donc Jim Mars, le, le bouquin que Stone a adapté à l'écran, et le fameux procureur Garrison qui est joué par Kevin Costner dans le film. Euh, aucun de vous deux n'a rencontré Oliver Stone moi, je l'ai vu une fois, mais très rapidement. Donc, vous n'avez pas eu l'occasion de non. discuter avec lui mmh. sur la raison pour laquelle il s'était lancé dans cette affaire. Mathias Faker. C'est vrai que le film est incroyable. J'avais 14 ou 15 ans quand quand je l'ai vu, et notamment la... Vous avez la... tous fini de dire à quel point vous étiez jeune <laughs> il y a 50 ans ou il y a 30 ans, ça va Non, et c'est <laughs> vrai que la démonstration entre, entre mille guillemets hein, de Kevin Costner dans le film avec les angles d'entrée des tirs, etc., est très marquante pour les, pour les esprits. Alors d'abord, je suis très heureux d'être avec vous et je me permets, non pas de vous féliciter, ça serait présomptueux, mais quand même de dire tout, tout le, le respect pour l'immense travail que vous avez fait l'un et l'autre. Avant de rentrer dans le débat sur le complotisme, euh, je voudrais vous poser une question. Euh, sur le, les archives et l'état de ce qui est aujourd'hui accessible, euh, parce que euh, il me semble que beaucoup de choses le sont, mais qu'un certain nombre d'archives sont encore classifiées. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur ce à quoi on a accès aux, aux États-Unis et dans le monde je vais, regarder, je vais vous répondre. On a tout. On a déjà tout. On a déjà tout. Voilà. Il n'y a plus rien à découvrir. Plus rien n'est classifié. Non, non, non. Alors, allez, quelques pages de ci de là euh, sur sur des millions. Il y a les zéro il n'y a même plus 1%, mais de toute façon, il n'y a plus rien qu'on qu ne sache. Et on a tout vu. Tout a été lu, de toute façon. Même celles qui n'auraient pas encore été divulguées, et encore, ce sont pour des raisons, pour cacher certains noms d'espions de, 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 de ces années-là, elles n'apportent aucune information spéciale. Elles ont été lues déjà par des chercheurs. Donc, non, non, il n'y a plus rien. Pour simplifier. Bon, j'explique un peu plus dans mon livre, mais pour simplifier, tout a été découvert maintenant. On sait tout, on a tout. Alors, peut-être qu'il faut dire un mot sur la commission Warren, puisque donc, Johnson, euh, au fond, qui a été soupçonné d'être, et d'ailleurs c'est une thèse qui transparaît du film d'Oliver Stone, d'être à l'origine de l'assassinat avec, avec la, la partie sudiste du, du parti démocrate, Johnson excédé de ses Supposition nomme une commission indépendante. Il faut rappeler qui était Warren et quelle est le, la situation de cette commission, François Carlier. Alors effectivement, euh, tu, euh, Earl Warren est le Chief Justice des États-Unis, donc euh, il est euh, cette... le, le chef de la Cour suprême. Oui, oui pardon. Excusez-moi. Euh, C'est effectivement, comme vous avez dit, une commission indépendante et surtout euh, bipartisane. Ouais, il y a autant de démocrates que de républicains pour la constituer. Donc un sénateur démocrate, un sénateur républicain, etc. Et, et puis des gens de grande qualité euh, et qui est indépendante, mais qui est surtout euh, fact finding, euh, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait l'enquête est faite par le FBI et la commission Warren va analyser tout ça et rendre un rapport. Ils ont toutes les, dire, toutes les ressources à leur disposition, mais un temps limité, puisqu'ils ont moins d'un an pour le faire finalement. Euh, et ils font quelque... un travail qui, à l'époque, pour l'époque bien sûr, avec les éléments qu'ils ont, qui est très factuel et, je dirais, très objectif. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs raisons de s'intéresser à la manière dont a été rapporté l'assassinat du président Kennedy. Il euh, y a l'événement lui-même, dont on a envie de savoir quelle a été la nature, et puis il y a ce que cet événement peut avoir d'archétypique, c'est-à-dire comment naît quelque chose qui aujourd'hui a une importance croissante dans notre société, comment naît le complotisme. Alors dans cette naissance du complotisme à propos de l'assassinat de Kennedy, est-ce qu'on peut essayer de repérer quelques points forts, par exemple euh, le rôle de la Russie, qui ressemble aussi Alors... à quelque chose qui nous touche aujourd'hui. François Dufour. Le complotisme naît au moment où Jack Ruby, le surlendemain, c'est-à-dire le 24 novembre, par des circonstances étonnantes, euh, tue euh, d'un coup, coup de pistolet Lee Harvey Oswald, l'assassin, euh, lors de son transfert du commissariat de police à, à la prison. Et, et à ce moment-là, tout le monde se dit, ben voilà, on, on, on va supprimer le, le j'allais témoin numéro un, pas le témoin, numéro 1, on, on supprime l'acteur numéro un, donc il y a une raison, donc il y a le complot. Donc le, je, je, ça, ça a duré 48 heures, le bon journalisme ou le, le non-complotisme a duré 48 heures. Oui, mais le complotisme ensuite, de, de quoi est il Est-ce qu'il n'y a pas, dès le départ, une intervention des interventions soviétiques des interventions de ce qui est à l'époque le KGB notamment à travers un journal britannique et aussi à travers un, un journaliste américain non, je, je veux bien répondre Mais, euh, tout de suite on sait que Oswald donc 24 ans vient de passer environ deux ans euh, en Russie on est en pleine guerre froide juste après la crise des fusées de Cuba c'est comme si aujourd'hui, le jeune Philippe Meyer allait passer deux ans en Corée du Nord. Comment le en fait, savez-vous Parce, parce qu'il n'aime plus la France. Et, et donc, lui, il n'aimait plus les États-Unis. Il est d'ailleurs passé par la France. Il a pris le bateau, il est allé au Havre, ensuite en Finlande, et il s'est retrouvé en Russie. Bref, il passe deux ans là-bas. Et, et, et lui, qui se disait euh, marxiste, découvre euh, euh, l'usine de Minsk euh, et le, la, la, vraie vie, la vraie vie en URSS à l'époque et il décide de d'égarpir. Je, je, je fais court parce qu'on pourrait raconter beaucoup d'anecdotes. Il, il revient avec une, une femme russe, un enfant, et, et il revient aux États-Unis. Donc tout de suite, on se dit, mais ce, ce, ce gars-là, euh, qui, qui avant était un marine, un, 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 un commando-marine de l'armée britannique, ah ce, ce gars-là, euh, il est... Il, il, gars J'ai dit... Britannique. Ah, Britannique, pardon, Américain. Euh, bah, ce gars-là, il est, il, est, il est trop bizarre. Il y a forcément de l'URSS de dans le coin. D'autant plus qu'on a appris vite qu'il était très pro-Castro. Euh, et donc, URSS, Castro, bon, bah, on, on y est. C'est ça la partie russe du, du début du, du complotisme sur l'affaire. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, à partir de ce début, est-ce qu'il n'y a pas, pour justement dédouaner l'URSS, il n'y a pas un certain nombre d'opérations menées par l'URSS pour attribuer la mort de Kennedy à des, euh, à, à des intérêts américains, et bien plus qu'à Oswald lui-même. Non, Donc, je ne dirais pas ça. Moi, je ne dirais pas que l'URSS ait eu une influence. On est en pleine guerre froide. Euh, la crise des missiles de Cuba, c'est octobre 62, c'est un an avant. Euh, on est, et, comme, et celui qui tue... Enfin, celui qui a accusé le suspect numéro un dans l'assassinat du président, c'est quelqu'un qui vient effectivement d'aller passer deux années euh, chez l'ennemi. Donc, bien sûr que ça. On peut se poser des questions. D'ailleurs, beaucoup de théories euh, naîtront là. Mais moi, je ne vois pas non d'intervention particulière de l'URSS à ce bon, moment-là. Je, je faisais référence, à, parmi les documents que oui. nous avons étudiés pour préparer cette, oui. cette rencontre, à, à un texte de David Colomb. Sur le qui dit, dont je vais le vous le ressortir si vous me donnez une seconde. Évidemment, c'est au moment où on cherche les documents qu'on ne le trouve pas. Et David Colón, absolument. Et donc, euh, et donc, le, le, la, la, la thèse est celle qu'il y a un rédacteur stalinien d'un journal britannique contrôlé par le KGB, le Labour Monthly, puis un éditeur new-yorkais, secrètement financé par le KGB, Carl Aldo Marzani, qui ont publié le premier livre popularisant la thèse du complot de la CIA, Oswald, assassin or Fall guy. D'accord, mais bon, ah, d'accord. Mais euh, je ne savais pas que c'était euh, un journal britannique financé par les Russes ou quelque chose comme ça, ça je ne sais pas. Mais je ne, encore une fois, je n'ai pas connaissance, moi, de tout ce que j'ai pu étudier, d'une influence euh, russe dans euh, les thèses complotistes particulières, non, non. D'accord. Eh bien, euh, par ailleurs, le, les différentes théories du complot sont des théories. Euh, spontané, je veux dire, expliqué par l'étrangeté que vous avez, François Dufour, relevé tout à l'heure, c'est d'abord l'assassinat d'Oswald par Ruby, et donc la disparition, l'impossibilité la d'interroger et de mener l'enquête jusqu'au bout, ou est-ce qu'il y a des groupes qui euh, ont intérêt à propager cette thèse complotiste et qui sont-ils, s'ils existent bah, je, je ne sais même pas s'il y a une réponse, euh, en dehors de vous dire qu'il y, y a des complotistes de, de, de tous bords, qui, qui, qui a intérêt à charger la mafia qui... Moi, j'ai l'impression que l'assassinat le, 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 paraît trop gros, trop... trop... Trop, trop, trop facile. Euh, un gars de 24 ans sans le sou, euh, qui se retrouve par miracle au sixième étage, le, le cortège par, passe par miracle de, devant, par miracle, il est seul au moment où le cortège passe, ses collègues de travail ne sont pas là, par miracle, il peut se cacher derrière les boîtes de, de, manuel, de, de livres, de manuels scolaires. Euh, par miracle, il, il pleut plus. Par miracle, la, la, décapo, la décapotable se, se, est décapotée. Par miracle, le garde du corps est loin parce que parce que Kennedy et Kennedy Kennedy veut euh, être populaire, être proche de la foule et, et par miracle et par miracle. Donc évidemment, tout le monde se dit bah, c'est pas possible, c'est too much is too much et, et donc on va chercher. Euh, on va chercher les ennemis de Kennedy concrètement. Alors, vous l'avez dit, LURS, vous l'avez dit, Castro, euh, la mafia, puisque Kennedy et son frère Bob, qui était ministre de la Justice, euh, attaquaient le syndicat des Teamsters et, et la mafia. Euh, la CIA, parce que Kennedy, on voulait énormément à la CIA. Euh, et au président précédent d'avoir décidé le débarquement de la baie des cochons pour essayer de dégager Castro. Il et Kennedy a dit oui, donc il a assumé, mais il s'est senti piégé. Et puis bon, le FBI qui laisse faire tout ça, qui ne suit pas Oswald, qui est quand même un zigoto de première catégorie. Et tout le monde se dit, mais bon, c'est pas possible, c'est pas possible, il suis pas d'acheter. Un flingue, enfin, un flingue, je ne sais on dit un flingue, une carabine achetée par correspondance, 15 dollars, une carabine de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est vrai, mais c'est invraisemblable. Mathias Feckel. Je crois que c'est Michel Rocard qui disait quand on a le, le choix pour expliquer quelque chose d'inexplicable entre la théorie du complot et la théorie de la connerie, il faut parfois privilégier euh, celle de la connerie ou de la bêtise. Je ne sais plus quel mot il employait. On pourrait, on pourrait ajouter euh, peut-être le, le hasard ou l'enchaînement le, de hasard. En tout cas, c'est ce, ce que vous décrivez. Ou concours de circonstances qui conduit à un événement, mais tellement énorme qu'on se dit c'est juste pas possible. Donc il y a une explication et donc on va échafauder toute une série de, de théories autour. Back. Parlons de Jack Ruby deux secondes. Comment un tenancier d'une de, 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 boîte de striptease peut déambuler au milieu des journalistes le 22, le 23, le 24, euh, prendre la parole à la conférence de presse, tout ça avec un flingue euh, et. et, 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 et et donc le surlendemain, Zigouille Osval, parce qu'il est copain des flics et qu'il veut venger les flics, venger le président qu'il adorait, etc. C est, c est... Si quelqu'un écrivait ce roman ou ce film, on lui dirait, mais bon, euh, oui, c'est bien, mais c'était très gros ton truc, là, c'est pas possible. François Carlier. Oui. Euh... Alors, quelle question précise Bien, d'abord celle, c oui. celle, celle de, de Mathias à l'instant. Sur l'enchaînement de. L'enchaînement de, de circonstances, hasard, oui, la tout à fait. La alors, construction, l'explication reconstruction. Un peu fantasmée. Euh, tout à fait. Alors, je suis exactement sur cette ligne. Effectivement, je pense que c'est une histoire, l'assassinat de Kennedy, absolument incroyable. Euh, par toutes ces choses qui se sont passées, notamment justement la façon dont. Je disais, pas, alors, juste vous dire qu'on est dans une circonstance absolument presque idéal chimiquement pur de euh, d'ouverture aux hypothèses qu'on oui. oui ah oui tout à fait tout à fait euh, ça, ça c'est même pas reproductible j'allais dire oui tout à fait je, je, je le dis je ne justement moi je je dis qu'il est tout à fait légitime d'avoir des doutes dans les années 60. D'autant que tous les documents ne sont pas à la disposition. Le film de Zapruder, nous, on l'a tous vu 100 fois. Eux ne le voyaient pas. Euh, les documents, les photos. Les... Re Redites un mot du film de Zapruder, parce que ah, nos euh, plus jeunes auditeurs, pardon, sont alors, plus, quelques en plus mots, nombreux, euh, ne savent pas ce que c'est. Donc, euh, l'assassinat se déroule donc, à Dilley Plaza, qui est la sortie de la ville de Dallas, à 12h30, alors qu'il fait une journée ensoleillée. Il y a évidemment beaucoup d'habitants de, de Dallas qui sont là, dont. Abraham Zapruder qui est un businessman et qui a sa caméra super 8 familiale et qui se place à un endroit pour filmer le cortège présidentiel et hasard de l'histoire il va filmer en gros plan l'assassinat et donc la tête du président de la tête de la victime qui éclate quand une balle tape la, le crâne ce se sera filmé donc, en couleur par euh, Zapruder. Évidemment, ce film devient un élément historique su sur lequel on va se baser pour faire l'enquête et euh, chronométrer d'ailleurs euh, la séquence des tirs. Voilà, donc Zapruder devient célèbre. Euh, voilà. Et ce film-là, euh, personne ne l'a vu avant les années euh, 70. Euh, ce ce dont les enquêteurs avaient accès à des photos, et enfin le public a eu accès à des photos. Évidemment, les enquêteurs l'ont vu, mais euh, ce sont des photos qui ont été publiées dans le rapport Warren. Enfin, et d'ailleurs, il y en avait même une qui avait été déplacée malencontreusement, ce qui a pu euh, alimenter certaines théories. Donc, euh, les. les Gens qui étaient chercheurs ou qui ont voulu savoir la vérité n'avaient pas accès à ces documents. Ils n'avaient pas accès non plus aux photos de l'autopsie, la, de ils n'avaient pas accès aux radios de l'autopsie, ils n'avaient pas accès à des tas de choses. Et donc, ils se sont dit on nous cache. On n'a pas accès parce qu'on nous cache. Et donc, il y avait une sorte de voile et ça a permis des théories. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Mais je dis que à l'époque, on pouvait encore légitimement se poser des questions. Et le film euh, est muet Oui. Ça nous aurait bien aidé si on avait entendu les trois coups de feu Enfin, ça nous aurait bien aidé à établir les faits plus rapidement. Euh, et il n'a été montré à la télé américaine qu'en 1975. Mais la commission morale l'a vu. Oui. Mathias Fekel. Moi, je m'interroge aussi et je serais très curieux de vos avis sur cette question. Nous sur... n'avons pas d'avis, mon cher Mathias. Nous n'avons que des faits. D'une expertise. <laughs> au vu de votre expertise, en tout cas Mathias, de votre. Mathias, ne chatouillez de... pas, de François vos... Dufour, sur <laughs> les avis et les faits. Euh, non, de votre analyse. Euh, en tout cas, à partir des faits dûment établis. Euh, sur, sur ce qu'il y a de nouveau euh, dans, dans l'événement euh, assassinat de, du président Kennedy par rapport à avant, parce que le complotisme, au fond, ça existe avant. Les protocoles des sages de Sion, euh, brûlots antisémites absolument épouvantables, qui expliquent pourquoi les Juifs tirent les ficelles de l'affaire du monde, les théories du complot judéo-maçonnique, etc. C'est pas nouveau. Euh, donc Qu'est-ce qui, y compris par rapport peut-être ensuite au complotisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, se joue ou pas euh, dans, dans l'assassinat de, de JFK François Carlier. Moi je dirais alors peut-être que c'est le complotisme populaire. Alors euh, effectivement, on dit souvent que l'assassinat de Kennedy, c'est la mère de toutes, tous les complots, la mère des conspirations, parce que c'est la première grande affaire vraiment qui a d'ailleurs, j'allais dire, un pendant, c'est le 11 septembre d'ailleurs. Il y a beaucoup de similitudes, des grosses affaires qui ont vraiment choqué et marqué le monde. Et donc, du coup, elles ont vraiment donné naissance à de nombreuses théories auxquelles les gens euh, adhèrent. Beaucoup de gens, j'allais dire, le, 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 le public, dans un son, dans, dans son sens général, adhère à ces, à ces théories. Parce qu'elles sont d'ailleurs beaucoup relayées par les médias, contrairement, j'allais dire, aux faits auquel nous on s'attache. Euh, je pense que c'est un complotisme, j'allais dire populaire, parce que les gens qui ont écrit des livres, c'est des, c'était des inconnus. C'est pas le gouvernement, c'est pas des experts forcément. Ils sont devenus experts parce qu'ils ont étudié. J'allais dire, ils ont devenus des experts avec... en tirant les mauvaises conclusions. Mais ils ont certains ont consacré leur vie à l'étude de l'assassinat du président Kennedy. Et ce sont des gens que, comme vous et moi, des inconnus, qui ont écrit des livres et après tout le monde s'y euh, est attaché, notamment par la médiatisation. À quel moment vous avez, autour de quel fait, vous avez acquis la conviction que Lee Harvey Oswald était l'unique tueur Il y a eu beaucoup, j'allais dire, ça se fait sur plusieurs années. Ça se fait sur plusieurs années parce que il euh, y avait de ma part une volonté de vraiment être objectif. J'allais dire zététicien vous voyez, euh, peser le pour et le contre et de manière j vraiment objective et scientifique. Mais euh, moi, j'ai longtemps cru que c'est un fait quand même scientifique je, sur lequel je me basais. J'ai longtemps cru que les grains de métal, les pou poussières de métal qui restaient dans le corps de Konali qui était donc l'un de ceux qui était le, dans la voiture. Le gouverneur du Texas qui a reçu effectivement une balle et qui était abîmé et donc qui a perdu un certain nombre de, de, de grains de métal. Mais je pensais que le poids qu'il avait dans le corps était supérieur à ce qui manquait à la balle, rendant impossible que ce soit cette balle qui soit euh, l'explication des, des blessures. Parce que c'est ce que j'avais lu et c'est ce qu'on m'avait dit. Et en fait, en vérifiant, je me suis aperçu que non. Pour moi, ça, c'était quelque chose d'intangible. Si vraiment il y a plus de métal euh, dans le corps ça, et qui ne peut pas provenir de cette balle, c'est que ça vient forcément d'une autre. Et en fait, pas du tout. Ça vient de celle-là. Et donc, euh, c'est en... laquelle des trois balles La dernière. La euh, dernière pardon, la deuxième. deuxième la deuxième. deuxième Excusez-moi. Celle, de la... de... celle qui, qui blesse, blesse Kennedy, mais Kennedy mais ne le tue et, pas. Et, et atteint Connolly. Et, et, et j'ai rencontré le docteur Wecht, qui était à l'époque le président de l'Académie des médecins légistes américains, qui était un chercheur sur l'affaire Kennedy, sur l'assassinat. Et je lui ai posé la question, je... puisque c'était la grande voix sur ce sujet-là. Et je lui ai dit ben... et il m'a dit non, il m'a dit j'avoue que je n'ai pas de preuves du tout et je n'ai pas d'éléments qui vont dans ce sens-là. Et en fait, ce que j'avais lu était faux. Et d'ailleurs, c'est un élément très important de mon, mon raisonnement, j'allais dire, ou de mon développement intellectuel, c'est de me rendre compte que beaucoup de choses que j'avais lues étaient fausses, une fois qu'on essaie de les vérifier. Alors, une Mais... fois que con... euh, François Dufour l'a jeté quelque chose, sur votre propre basculement c'est qu'en fait, il n'y a aucune preuve d'un quelconque complot. On parle d'un deuxième tireur. Il n'y a pas de preuve. On parle. S'il y a un deuxième tireur, c'est qu'il y a une quatrième balle. Alors, ça, pour le coup, c'est une balle magique. On ne l'a pas vue, on ne l'a pas entendue. Il n'y a pas de trace. Donc, il n'y a aucune preuve de. Il n'y a aucune preuve. Parce que s'il y a un complot, entre le moment. Où on apprend que JFK va, va à Dallas. Euh, et, le, et le moment de l'assassinat. Il, il, il faut bien que l'IRV, parce que Oswald, bon, ça, ça, on en est sûr, et c'est sa carabine, il y, a, il y a ses empreintes sur la carabine, donc, que, que il, il, est, il est vu, euh, et. et, et et Donc, il est vu par un témoin qui, qui signale son profil à la police, et c'est ce profil à la radio de la police qui fait qu'il est arrêté par un policier et qui zigouille le, le, le policier. Donc, euh, Oswald, il n'y a pas de doute. Mais s'il y, si y a une conspiration ou un complot, c'est qu'Oswald est téléguidé. Mais il est téléguidé par qui Il n'y a aucune preuve, aucune, aucune preuve. Qu'entre le moment où on apprend que Kennedy va aller à Dallas et le moment où Oswald l'assassine, il n'y a aucune preuve d'un contact quelconque d'Oswald avec quiconque. Aucune preuve. Donc, c'est quoi Par la transmission de pensée. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet. Tout a été vérifié, survérifié. C est, c est, c est... Bon, moi, je pourrais parler des heures. Mais... <laughs> non, des heures, non, mais des minutes, vous pouvez, François Carlo. Oui, je vais confirmer exactement ce qu'a dit François. C'est exactement ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a, a pas de preuve, il n'y a rien. Aucun élément. Et c'est ça qui est très important. On a tous commencé en lisant des livres critique ou complotistes. Et donc, effectivement, on, avait des, face, on était face à des thèses. Et c'est en vérifiant ces thèses, vous me demandiez comment l'évolution fait, en vérifiant les thèses, on s'aperçoit qu'elles sont vides. Ce sont des suppositions qui ne résistent pas à la vérification, tout simplement. Alors, j'allais dire, il y a certains auteurs qui mentent, par, par malhonnêteté, il y en a quelques-uns, il y en a qui, j'allais dire, euh, émettent des idées farfelues. Ou atteignent de mauvaises conclusions. Mais quand vous étudiez ça, il n'y a rien, c'est vide. Et effectivement, François Dufour l'a dit, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres tireurs, personne n'a vu d'autres fusils, il n'y a pas de traces, il n'y a, trace, a rien, il n'y a pas d'autres balles, il n'y a rien. C'est que du vide. Donc ce sont des suppositions. Et quand vous, vous, vous étudiez un peu les théories complotistes, ben vous dégonflez dé 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 la baudruche. Alors vous allez me dire, euh, c'est facile de dire ça en quelques minutes. Bon, je l'explique en long, en large, en travers dans le livre. Argument à l'appui, je, 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 je prétends, mais effectivement, je, je dois résumer ma pensée en disant non. Effectivement, il n'y a aucun élément allant dans, dans une alternative à la culpabilité d'Oswald. Moi, bon. je, je voudrais revenir ouais. sur deux, deux points parce que je pense qu'il faut les, les débunker, comme on dit. Le, 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 le premier point, c'est que l'autopsie et les rayons X montrent clairement que Kennedy a été touché par l'arrière. Oui. À la deuxième balle la prétendue balle magique la deuxième balle euh, donc à la, à la base du cou et la troisième balle donc la, la partie droite de, de la tempe ça donc les tirs par l'arrière c'est béton hein, ça c'est un point important et le deuxième point c'est cette fameuse balle magique donc la deuxième balle la deuxième balle ça a été re, le, son parcours a été reconstitué par ordinateur. Il a été reconstitué il y a... Toutes les, tout est disponible sur YouTube par la chaîne Discovery, par I X et Y. Donc, ce, cette, ce, ce parcours de la balle qui traverse euh, Kennedy et qui ensuite, ensuite blesse Connolly et, et qui ne fait pas tous les détours qui sont montrés dans le film de Oliver Stone, qui est du... qui est du pipeau. Ce tir a été reconstitué. Ils ont pris des cadavres de, de la corpulence de Kennedy de la corpulence de Connelly ils ont reconstitué la, 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 la voiture, la, la, la limousine on dit et le tir a, a été quasiment le même et, et j'ajoute sur ce point là que on dit, on dit toujours la balle, la, la balle est sortie euh, intacte c'est pas possible parce qu'elle traverse Kennedy, elle traverse le gouverneur Connolly et ensuite elle est intacte. On la retrouve par miracle. que commence cette balle neuve Mais en, mais en fait, elle, elle n'est pas neuve. Elle n'est pas neuve. Elle, elle est, elle est en, 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 en état correct. Mais, mais ce mot qui, qui revient tout le temps, ce pristine ball, ce pristine ball, elle est vierge. Mais non, c'est faux. C'est matériellement faux. Oui, tout à fait. Elle est, elle est, elle est déformée. Elle est déformée. Alors, je, je fais l'avocat du diable. Très bien, vous êtes convaincu, à un moment donné, par l'absence de preuves, vous êtes convaincu que seul l'IRV Oswald est le responsable. Mais moi, je suis euh, un peu troublé, même beaucoup troublé, par euh, la suite, c'est-à-dire par l'assassinat de Oswald. Et ce rubis, c'est vraiment, François Dufour disait tout à l'heure, accumulé tout à l'heure les raisons qu'on a de s'interroger sur ce personnage. Euh, et c'est à partir de là moi que je suis devenu quelqu'un de sensible à l'idée que ça n'était pas un tireur non, comme ces euh, si autres avaient... sont choisis euh, Et donc euh, François Carlier, expliquez-moi comment ce que vous avez découvert sur Jacques Ruby peut me remettre les idées à l'endroit. Alors, tout à fait, et ce sera assez facile, je pense. Mais on en revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, où c'est un concours de circonstances vraiment exceptionnel. Euh, le fait que le suspect numéro un, donc Lee Oswald, se fasse tuer, nous donne l'idée que effectivement on l'a fait taire. Mais il se fait tuer par quelqu'un dans le commissariat. Donc, le tueur se fait tout de suite appréhender par la police. Donc, lui, c'est à lui maintenant. C'est lui qui va falloir faire taire, forcément, parce que maintenant, lui, on avait le suspect, maintenant on a un autre, donc on va pouvoir l'interroger. Donc tuer le numéro 1 mais garder le numéro 2 ne résoudrait pas le problème. Donc il faudrait que quelqu'un aille tué Ruby et ça n'en finirait pas. Donc ça, déjà, sur la logique, on peut se dire que c'est pas comme ça qu'ils auraient fait taire euh, Oswald. Mais quand vous analysez la situation, pourquoi Ruby était là-bas Ruby était là-bas tout simplement parce que l'une de ses danseuses bon il était patron d'un cabaret l'une de ses danseuses lui a demandé de lui faire un virement il avait, euh, enfin un mandat parce qu'elle avait besoin d'argent donc il s'est déplacé à, au bureau de poste c'est pas lui qui a pris l'initiative il le fait pour rendre service il prend son chien dans sa voiture, il prend son chien. Donc, voilà. donc euh, quand vous prenez votre chien dans votre voiture, ce n'est pas parce que vous allez euh, tuer quelqu'un dans un commissariat. La dernière fois que j'ai tué quelqu'un, je n'étais pas <laughs> avec mon chien. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que c'est un concours de circonstances. Je vais vous dire deux éléments importants avant de. Mais attendez, le bureau de poste, mais ce n'est pas le, le, pas le commissariat. Le non, bureau le bureau de poste. de poste est placé juste dans la rue de l'une de des entrées du commissariat. Donc, euh, coïncidence aussi, mais ce n'est pas du ressort de Ruby. Donc, et si Ruby, qui a fait la queue au comptoir, s'il y avait eu un client de plus, et qu'il a été resté quelques minutes de plus pour donner son mandat, ben il serait arrivé trop tard. Le, le suspect, donc Oswald, serait déjà parti. Première chose. Donc, c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas plus de monde à la poste, mais ça, c'est pas un tueur qui peut le prévoir, prévoir que Ruby est arrivé à l'heure. Deuxième chose, l'IA Oswald a retardé son transfert parce qu'il a demandé à mettre un pull. Si Oswald ne demandait pas à mettre un pull, que les policiers sont allés lui chercher, il serait passé avant. Donc, vous allez me dire, Oswald est complice, euh, il voulait se faire tuer. Donc, si Oswald n'avait pas demandé de pull, il serait parti avant que Ruby arrive. Et quand Ruby arrive, il arrive et il tire tout de suite. Quoi. Il se passe euh, 45 secondes entre le moment où il arrive et il tire. C'est vraiment un concours de circonstances. À une minute près, il ne passait pas. Et normalement, vous allez me dire, comment se fait-il que Ruby est arrivé là Le quartier était bouclé, le, en tout cas le commissaire, personne ne pouvait rentrer. Il est rentré par surprise. Mais il faut vous dire une chose, c'est parce qu'en en fait, dans le basement, le sous-sol de ce commissariat, il y a une entrée et une sortie, puisqu'il y a une, ce sont deux routes à sens unique de chaque côté du, du bâtiment. Et comme il y avait un fourgon cellulaire qui était venu chercher Oswald, qui avait fait marche arrière sur la sortie, donc du coup, il fallait que les voitures sortent par l'entrée. Donc, il y avait un policier. Encore une fois, un concours de circonstances. Et donc, on a fait sortir une voiture de police, mais comme elle sortait où d'habitude on rentre, il a fallu qu'un policier, celui qui gardait l'entrée, aille faire le, la, circulation. la circulation et bloquer les, les roues. Et pendant cette fraction de seconde-là, c'est à ce moment-là que, que Ruby est passé. S'il n'y avait pas une voiture qui passait à ce moment-là, je veux dire. Mais il, pas, il, il, il le tue pourquoi Par impulsion alors, Oui, par, par impulsion. Je, alors, encore une fois, je, je, je vais répondre après je vais laisser François. Très rapidement, il le tue par impulsion et par vengeance. Et ce qui est important, je voudrais rajouter un petit truc. Lui, il a toujours dit qu'il ne connaissait pas Oswald et qu'il faisait partie d'aucun complot. Alors, vous allez me dire oui, c'est normal, un, un, un espion ne divulgue pas. D'accord. Mais vous savez que Jacques Ruby euh, est mort d'un cancer et il est mort dans un hôpital, euh, euh, sur son lit, enfin, je il souffrait. Et il était juif. Et donc il, a, il se confiait à son rabbin avant de mourir, et ainsi qu'à son frère. Il était proche de son frère, et son frère est allé le voir euh, à maintes reprises. C'est des êtres humains, ces gens-là. Et quand vous allez mourir, parce que c'est ma... faire le malin quand vous avez 40 ans et que vous avez la vie devant vous, tout va bien. Mais quand vous êtes à l'article de la mort, que vous croyez en Dieu, c'est le moment où, là, le côté humain passe, j'allais dire, avant euh, peut-être euh, les l'argent ou le pouvoir, on est bien d'accord. Et il a toujours dit jusqu'à son dernier souffle, je n'ai rien à voir, je ne connais pas Oswald. Il le dit à son rabbin, il le dit à son frère. Là, il y a plus de de, de, de faire-valoir, il y a plus de faux-semblants, il y a plus de... Donc lui-même n'avait pas prévu de non. tuer Oswald Non, c'est impulsif. Je crois. Alors, il... Alors, euh... Enfin, il rentre au commissariat quand même. Il, oui. sort de, il sort de la poste, il va au commissariat, mais qu'est-ce qu'il va faire au commissariat? Non, il va, il va au commissariat parce qu'il voit qu'il y a énormément de monde et il se dit, il se passe quelque chose. Faut pas oublier qu'il a passé quasiment tout le temps au commissariat de, depuis l'arrestation d'Oswald. Et il a même, dans le concours de circonstances, il a même franchi une ligne blanche que les États-Unis se fait moins qu'en France. Pour, pour pouvoir se, se garer. Il franchit et pas la ligne blanche, on laisse passer une minute, il fait, il fait un petit détour et il, il rate. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Ruby D'abord, quand il tire sur Oswald, il dit You killed my president, you rat. Donc, tu as tué mon président, toi rat, rat, euh, sous-entendu rat communiste, euh, dans, dans le contexte de l'époque. Et ensuite, quand on, quand on demande, quand des journalistes demandent à, à, à Ruby Mais pourquoi tu l'as tué alors, il, il a donné plusieurs, euh, bah, bah, plusieurs, plusieurs raisons. La première, il a dit Je voulais montrer qu'il y avait un juif avec des couilles à Dallas. Pourquoi Parce que le, le matin du 22 novembre, il y a eu une publicité parue dans le journal local Dallas Morning News, une page entourée de noir comme un faire-part, qui était signée d'un Bernard Weissman. Et, et qui accusait Kennedy de, 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 de tout, de tout et de dire de tout et de rien. Donc, donc ça, c'était en référence à cette page du Dallas Morning News. Euh, et, et ensuite, Ruby avait lu un article dans le journal disant, euh, euh, oui, Jackie Kennedy va devoir revenir à Dallas, ça va être pénible, etc. Et, et donc, et en se fondant sur cet article, il a dit, oui, et je ne voulais pas que Jackie Kennedy revienne pour le procès euh, à Dallas. Et surtout, il a dit, alors là, au policiers, pas au journaliste, il a dit au policier, c'est moi qui ai fait le boulot, euh, les copains, vous, vous ne pouviez pas... Euh, vous ne pouviez pas vous venger, c'est-à-dire venger le président et venger le policier Tippit tué par Oswald. C'est moi qui ai fait le boulot parce que vous ne pouviez pas le faire. Et lui, il, il pensait qu'il serait, qu serait relâché, qu'il serait jugé à Dallas, pa, pa, par tout ça, des, des, des copains. Euh, et qui et qu d'ailleurs, Ruby, il est applaudi au moment où on sait, il est applaudi par la foule au moment où il tue Oswald. Et il pense s'en sortir. Parce que il est il est la, il est la groupie des flics c'est le, le pote des flics qui leur qui, qui, qui leur paye des, des des coups quand ils vont au carrousel son sont striptease, et qui leur file des sandwiches. et enfin, c'est un, un tenancier de strip qui se balade avec un flingue dans les couloirs de, 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 de la police enfin Philippe Labro euh, a parlé à Ruby Philippe Labro a reçu la carte de visite du carrousel et Ruby lui a dit euh, euh, ah, la France est folie bergère, bah, venez vite dans ma boîte de striptease. Alors, euh, la boîte de striptease était fermée euh, en signe de deuil pour le président. Mais, 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 mais Ruby a expliqué. Et, et, et autre point, il n'y a aucune preuve, aucune, aucune, aucune de lien, non seulement entre Oswald et Ruby, mais entre Ruby et la mafia. C'est pas parce que le gars un cabaret de striptease. Et, et, et d'ailleurs, il y a, y a une. Le... Mais ça, on l'a su après. Les, les, les plus grosses réunions de la mafia étaient, étaient sous-écoute. Et au moment où... Alors, je ne sais plus qui était le, le grand-parrain de la mafia à l'époque, je sais pas si c'était Sam Giancana ou Sam moment Et au moment où, au moment où il, il apprend, euh, donc le 24 novembre, que, que, alors, oui, que, que, que Ruby tue Osval, Sam Giancana dit, mais c'est qui ce Ruby Alors, vous savez... Euh tout à l'heure fait allusion au protocole où c'est Mathias qui a fait allusion au protocole des sages de Sion qui est un faux fabriqué par l'Ocrana, c'est-à-dire l'ancêtre du KGB, de, etc., de tous ces organismes humanistes chargés de protéger chacun contre lui-même. Euh, mais ça, c'est un exemple de faux, de vrai faux, si je puis dire. C'est un complotisme qui est fondé sur une fabrication. Il me semble que le complotisme qui naît de euh, l'assassinat de Kennedy, c'est un complotisme de présomption. Et, euh, y a, et, et je trouve ça particulièrement intéressant à notre époque que ce complotisme de présomption est à ce point eu prise sur l'ensemble de, de l'esprit public. Euh, ah, alors là, là je, veux bien, je veux bien dire un mot. Moi, je, je pense que euh, ce, ce complotisme euh, est symbolique de trois maladies du journalisme, notamment à la française. L'opinionite, la, l'expertite et la polémiquite. Je, je vais aller très vite. L'opinionite, c'est la... Tout le monde peut avoir des opinions, mais, mais, mais le journaliste, c'est donner des faits. Donc quand... Ah bon, je peux donner plein d'exemples. Bref, l'opinionite... Et, 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 et ça, dans l'esprit des gens, il, il faut redire les choses. C'est très bien d'avoir des opinions sur euh, pour ou contre le périphérique à 50 km/h. Mais là, on n'a pas des thèses, on n'a pas des théories. Euh, L'autre jour, Pascal Pro demande à Philippe Lamour :« Alors, quel est votre sentiment sur l'assassinat de Kennedy ?» Le sentiment. Mais on est là pour on est là pour donner des faits. Bon, donc ça, c'est l'opinionite. Ensuite, c'est l'expertite. C'est euh, euh, Virginie Giraud, l'historienne d'Europe 1, qui, inter qui interviewe Thierry Lenz. Mais, mais, mais en journalisme, on ne prend pas n'importe quel expert. Euh, D'abord, en journalisme, normalement, on n'a pas besoin d'experts. On, on va chercher les faits. On va chercher les preuves. Cyrilène, le spécialiste, le spécialiste, le spécialiste de qui, qui, sur Kennedy. Qui a écrit des bouquins sur Kennedy, qui est le complotiste numéro un de, 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 sur le marché. Mais je me mets dans la polio. Le journaliste. Il fait appel à un expert quand le sujet est trop compliqué et qu'il n'y arrive pas. Et à ce moment-là, la règle dans les livres, c'est qu'il faut prendre trois experts indépendants, les confronter et y arriver. Mais, mais l'expertise, c'est que n'importe qui n'est pas un, un expert qui tient la route. Donc c'est ça ce que j'appelle l'expertise autre maladie du journalisme. Et, et la dernière, c'est la polémique. C'est qu'évidemment, le complot fait vendre. Les, les faits banaux ne font pas vendre. Figurez-vous que le meilleur bouquin sur l'assassinat de Kennedy. Qui a été finaliste du prix Pulitzer aux États-Unis. Qui s'appelle Case Closed, Affaire classée. Est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 1993. Il n'a jamais été traduit et publié en français. Jamais, jamais. C'est le, c'est en tout cas selon nous deux qui connaissons le sujet, c'est de loin le meilleur bouquin, celui qui a fait le meilleur travail d'investigation. On pourrait vous donner énormément de détails. Il y a eu une, énormément d'avancées avec la publication de ce bouquin. Et pendant ce temps-là, pendant ces 30 ans, combien de bouquins de complotisme sont sortis en France Donc ça veut dire qu'il y a des éditeurs. Ben, euh, citons un cas euh, Jean-Luc Barré, édition bouquin. Il vient de sortir un bouquin et ça a été repris une page dans, une page dans Paris Match, une page dans le point, sur un, un Français. Euh, et, et le bouquin s'appelle Le deuxième tireur euh, le, le, le fils du fils de machin mexicain. Enfin, bon, toute une histoire à braque on sort un bouquin complotiste, donc on en parle dans le point, on en parle dans le match, aucun problème. L'autre jour, je rencontre Jean-Luc Barré, je lui dis, mais, mais Jean-Luc, pourquoi deuxième tireur et pas second tireur Donc là, je, je parle à la personne qui a décidé d'éditer le bouquin. Il me dit, mais François, il y a peut-être un troisième tireur. Bon, mais où sont les balles alors que, Comment a évolué la question de la crédibilité Je veux dire... Comment est-ce que les Américains se sont positionnés par rapport à cette idée du complot Il me semble que l'idée du complot est revenue en faveur ces dernières années, notamment dans les milieux QAnon, Trump, etc. Je me trompe. Bah en, tout, en tout cas, 5%, 5 des Américains au moment de l'assassinat ou juste après l'assassinat pensaient que c'était un complot. Euh, non, pensaient que ce n'était pas un complot, excusez-moi. Le 24 novembre, je ne sais plus si le sondage date du 24 ou d'après, euh, 5% des Américains pensaient que ce n'est pas un complot. Et aujourd'hui, 15% des Américains pensent que ce n'est pas un complot. Donc, on a fait pas mal de chemin. Mm -hmm. mais, mais 85 continue à penser que c'est un complot. Mais bon, euh, rien ne battra le, le, le film de GFK. Rien ne battra le film. Donc... Oui, mais qui continue à propager la thèse du complot dans les forces politiques américaines J'ai cru comprendre que les Trumpistes étaient des. Très en faveur de ce. Ça, je ne sais pas. Non, enfin, pas forcément. Regardez, non, celui pas... qui, croit que, enfin, qui prétend que la CIA a tué son oncle, c'est euh, le fils de Robert Kennedy, et qui est démocrate. Euh, lui, il est complotiste dans cette ouais, affaire-là. Ouais, ouais. euh, il, il dit que c'est la CIA qui a tué son oncle. Vous voyez Donc, euh, il est complotiste et il est démocrate. Non, je ne suis pas forcément. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure politiquement. La première génération des critiques était euh, des, de gauche. Et revendique tel, un, un tel, donc je, je pense pas qu'il y ait forcément des idées politiques qui aient une, une influence. Je ne crois pas, enfin, je peux pas prétendre, mais sur le complotisme. Ce que je voulais dire, c'est que ma vision, comme je vous l'ai dit, la première génération de, de ce qu'on a appelé les critiques, ils pouvaient se poser des questions légitimes, mais les questions ont eu leur réponse notamment parce que le le la commission, la, enfin, le HSCA, donc le. Le Parlement, le Congrès américain a fait une enquête en utilisant la science des, de la fin des années 70 et qui a confirmé les conclusions du rapport Warren du début des années 60. Et depuis, on a les réponses et je pense qu'à partir de là, on a effectivement plus affaire à des critiques, mais à des complotistes, des gens qui, malgré qu'on ait eu les réponses à leurs questions, continuent de propager, euh, j'allais dire, du n'importe quoi. Mais, mais Philippe, je, euh, Mathias, je, je vous retourne la question. Quand vous êtes rentré dans ce studio... Vous, vous pensiez que qui avait tué Kennedy Non, moi j'ai regardé. Alors évidemment, je suis un peu biaisé parce que j'ai préparé cette émission, donc j'ai regardé ce que vous avez écrit les uns et les autres. J'ai regardé toute une documentation que a préparé Maximilien Radvansky comme il le fait pour toutes les thématiques, et je suis de l'avis que, que, que qui, est, qui est le vôtre, c'est-à-dire que c'est. Mais mais avant le... ça, avant, avant de vous être enfin renseigné sur les faits, mon cher Philippe. Avant de m'être enfin renseigné sur les faits, j'étais dans le doute. Pas, pas dans la certitude d'un complot, mais dans le doute, oui. Dans doute, pour toutes les raisons, ce doute de présomption dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même bizarre que Ruby, c'est quand même bizarre que etc. Euh, entre parenthèses, d'ailleurs, vous avez mentionné l'assassinat du frère Bobby Kennedy, lequel était connu euh, est encore connu aujourd'hui pour avoir entamé contre la mafia et Jimmy Hoffa et le syndicat des camionneurs. Euh, et euh, c'est un sujet de perplexité que de voir que aucune théorie particulière, sauf celle du fils. Euh, aucune théorie particulière n'a été propagée à propos de l'assassinat de, de Bobby Kennedy. Il y a eu des livres qui. Il y a des complotistes d'ailleurs qui prétendent que l'assassinat de Robert est également un complot. Tout à fait. Mais évidemment. Non, pardon de manière beaucoup plus... rappelons peut-être que donc bobby kennedy est en campagne électorale, ah. il va probablement être élu président en 1968 oui. et il est assassiné dans les, la, la cuisine de l'hôtel ambassador à los angeles par shiran shiran, euh, qui... Euh, n'aime pas, pas bobby kennedy, euh, par un saint-jordanien euh, d'origine palestinienne, palestinienne, je crois. Oui, oui. Euh, à cause du soutien des états-unis à la guerre de... De, des six jours en 1967. Donc, donc pour les un an de la guerre des six jours enfin C'est ce qu'a dit Chirane Chirane qui est toujours en prison. Mais Mathias, alors, t, 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 toi, avant de rentrer ici, tu te dis complotiste ou pas, Mathias N'oublions pas non, que Mathias a été ministre de l'Intérieur, donc ça va être très important de savoir qu'elle a été. Euh, donc, je sais tout, c'est ça, tu... ah, <laughs> ça qui t'inquiète. <laughs> non, plus sérieusement. Euh non moi j'étais très en phase avec ce que vous dites et avec une approche très rationnelle des choses mais avec une pas une réserve mais une interrogation d'où ma première question sur les archives je me demandais s'il était encore possible que dans les archives en réalité euh, des éléments euh, y compris d'ailleurs, peut-être caché par raison d'État américaine, mm -hmm. subsistait ou pas. C'était ma, ma, ma réserve très rationnelle. Mais, je, je, je... mais Mathias, honnêtement, est-ce que tu crois qu'à la page 32 747, il est marqué euh, Lyndon Johnson deux points Non, non, non. Il euh, ne euh, faut pas me faire cette, de l'insulte de croire les choses aussi stupides, non. mais il exi... on sait très bien que quand des archives, y compris j'avais cru hein, dans, le, euh, dans, dans ce que j'avais lu avant, un certain nombre d'archives qui devaient être déclassifiées avaient été euh, prolongées dans, dans leur caractère secret. Oui, donc oui, de fait, mais, mais si de fait quand, et il peut y avoir des raisons tout à fait excellentes comme celle que vous avez dites, hein, mm. des espions euh, ou des, des agents de l'État encore vivants ou leur famille encore active, ou des choses comme ça, il peut y avoir des raisons tout à fait objectives et pas vraiment liées à l'assassinat lui-même qui, qui explique la prolongation. Il n'empêche que je comprends. Ça, pour me placer un peu de l'autre côté. Je comprends que quand vous avez des décisions comme ça qui interviennent, des gens se disent tiens il y a peut-être quand même quelque chose à cacher. La preuve, oui, euh, oui. on prolonge le caractère secret des archives. Mais par exemple j'ai une, vous... de... une question à vous poser. L'officier de police donc Tippit s'est fait assassiner par Lee Oswald <laughs> en pleine rue encore une fois à 13h10. Tout le monde y... enfin il y a des témoins il y a 12, plus... des témoins qui l'ont vu et qui l'ont reconnu et qui ont certifié que c'est lui. Donc il a été vu en train de tirer avec son pistolet, c'est son pistolet, dans la tête d'ailleurs quand l'officier le, quand le, de police était par terre déjà mort, il lui a tiré dans la tête. Bon, et ça demande quand même quelque chose que, de spécial. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille trouver dans des archives qui demande ça ou qui change ça Non non non, vous mais voyez, y a, enfin le, le, le but, encore une fois, les spécialistes de l'assassinat, c'est vous et c'est certainement pas moi et Peut-être pas non plus, Philippe, malgré les progrès récents sur le, sur le sujet, y compris au cours de cette émission. Donc, elle aurait eu, en, en plus de tout le reste, ce, ce mérite important. Mais euh, l'idée que vous puissiez avoir des intérêts euh, d'État ou économiques ou mafieux américains ou étrangers, ce n'est pas en soi quelque chose d'absurde. C'est-à-dire, l'assassinat d'un chef d'État euh, peut être motivé par, euh, par mille raisons. Voilà, donc, je pense que c'est tr très important. Pour cette raison, d'avoir l'objectivité. Mais encore une fois, je n'avais pas, pas de vrai doute. Je trouvais simplement que quand on regarde les choses objectivement, il y avait un élément très objectif qui permettait un doute, c'est cette question des archives. Voilà, je vais au Alors, bout je, de la rationalité. Je peux juste dire quelque chose Alors, Et après, j'ai une question. Oui, d'accord. Je dois bien préciser que j'affirme qu'il n'y a pas eu de complot dans l'assassinat de Kennedy. Je suis ferme dans ma conclusion et dans la prétention. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complot dans l'assassinat de Kennedy. Je ne parle pas des autres affaires. Je ne dis pas que les complots n'existent pas ou qu'il n'y oui, en a oui, pas dans oui, d'autres affaires. Je ne fais pas du tout de généralisation. Moi, j'ai une question sur la, sur la preuve, parce qu'on a beaucoup parlé de preuves. Mm -hmm. Et notamment en droit, et en particulier en droit pénal, il y a le principe qu'on ne doit jamais être amené, un accusé ne doit pas être amené à apporter la preuve négative. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prouver que vous n'avez pas fait quelque chose. J'ai l'impression que dans le complotisme, en réalité, la question de preuve ou pas preuve, ça n'a aucune prise sur euh, beaucoup de monde. Et donc, j'ai une question à travers votre expérience euh, d'auteur et d'historien, à l'un comme à l'autre, ayant établi les faits. Est-ce que vous avez le sentiment que les preuves que vous avez apportées ou les faits que vous avez collectés ont fait changer euh, des, des gens que vous connaissez d'avis, ou pas bah nous, nous deux, déjà. Oui, alors moi je vais vous dire. Toute Philippe, per... en dehors de Philippe. Alors, sans prétention, jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui ont lu mon livre, ensuite m'ont dit Je suis convaincu par la culpabilité d'Oswald. voyez euh, Je pense que toute personne honnête qui lit. Ce... Qui... Il n'y a rien de moi en fait. Je ne fais qu'être le porte-parole de documents qui existent ou d'experts dont je traduis les, les, les déclarations. Toute personne qui lit ce rapport, en l'occurrence mon livre, aboutir, toute personne honnête aboutira à la conclusion inévitable que Oswald est le seul assassin de Kennedy. Je pense qu'il suffit de, de refuser de voir les choses telles qu'elles sont pour continuer de propager. Vous voyez, mais mais, mais François, ce qui complique l'affaire aussi, c'est que Oswald n'a pas eu le temps d'avouer. Et, et quand il se balade dans le commissariat de, 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 de Dallas, il dit « I'm just a patsy, je suis juste un bouc émissaire parce que j'ai vécu, vécu en Russie ». Mais, mais n'oublions pas une chose, Oswald est un menteur. Il a menti déjà en disant « je, je n'ai pas tué le policier Tipit ». C'est faux, il a menti. Alors sur ce et, point, pardon. Non, non. Mais, mais, mais c'est vrai que euh, qu Oswald, qu Oswald n'est pas revendiqué, n'est pas dit. Euh, je suis un, un mon rêve. Ce serait d'appartenir au gouvernement de Fidel Castro. Mon rêve, c'est que euh, si, si j'ai un fils un jour, on l'appellera Fidel. Euh, et mon rêve, c'est d'obtenir un visa et, et d'aller vivre la révolution cubaine. Parce que j'ai vu les États-Unis, le capitalisme c'est nul. J'ai vu l'ours, euh, le communisme, euh, c'est nul. Euh, vive Fidel Castro, euh, et, 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 etc. Et, et, mais, 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 il, il n'a pas, pas revendiqué et, et, et ça on s'en sortira jamais jean, jean daniel a raconté la, la manière dont castro apprend la mort de kennedy complètement incroyable puisque jean daniel est à ce moment-là en quasi mission en tout cas il a un rôle de médiateur qui lui a été confié par kennedy il est avec castro dans sa maison au bord de mer à cuba et là dans la, à la radio ils apprennent ensemble l'assassinat et la mort de kennedy et l'hymne américain retentit dans la maison de Fidel Castro. C'est un moment relativement surréaliste et très. Et, 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 très ca, et Castro dit Oh là là, on, on est dans la merde, ils vont, ils vont évidemment nous accuser d'avoir fait ça. François Carlier Oui, rapidement, par rapport à ce qu'a dit M. Dufour. Norman Mailer, qui a fait de, de fortes recherches sur Oswald, notamment sa période en Russie, lui, sa thèse, et j'y adhère totalement, enfin, elle, elle est pour moi assez convaincante, lui il dit que Oswald tue. Kennedy, donc, le représentant du monde occidental. Et donc, euh, il peut se faire passer pour un révolutionnaire qui a accompli un acte politique en pleine guerre froide. Ça, ça peut être à la limite honorable, ou en tout cas, il peut essayer de s'en vanter. Mais ce qui arrive, encore une fois, ce qui n'était pas prévu, c'est la rencontre avec l'officier qui veut l'arrêter dans sa fuite. Et là, il tue le policier, de manière, j'allais dire, sale. Bon, je pas d'autres adjectifs. Et donc... Bon, après, il se fait arrêter très rapidement après. Et là, Norman Meller dit, à partir du moment où il a tué un policier, là, c'est pas honorable. C'est petit, c'est moche. C'est crapuleux. C'est crapuleux et c'est mal vu par le, le, le public. Donc là, il, et c'est à partir de ce moment-là, il, il va nier tout. Mais s'il n'avait pas tué Tippit... Aurait-il nié Je ne sais pas. Enfin, Mais une chose que je rajoute rapidement, son frère, son frère qui, qui l'aime, qui est proche de lui, son frère qui est un homme honnête, et c'est intéressant parce qu'il a été interviewé plusieurs fois dans des documentaires, et c'est intéressant de l'écouter, son frère qui, l a, qui a vu, lui, son frère, en prison ce week-end-là. Et euh, dit moi si je pouvais si j'avais un élément pour dire que c'est pas c'est pas lui je, je serais dans les rues en train de crier c est, il est innocent mais dit je suis obligé d'admettre c'est lui et quand il lui a parlé et quand il lui a parlé là c'est son tête à tête et la façon dont son frère lui a répondu il, il a compris que c'était bien lui qui avait tué Kennedy c'est retracé dans un film magnifique dont j'oublie le titre qui, qui euh, retrace cette journée tragique à travers ce qui s'est passé à l'hôpital. Ça s'appelle Parkland. Voilà, absolument, Parkland, merci. Et euh, où l'on voit à travers le, la détresse des, des médecins, des soignantes, de, l'effervescence dans cet hôpital où arrive Kennedy déjà euh, en train de mourir. Euh, donc c'est un autre regard sur, sur cette journée, c'est incroyable. Je trouve que c'est fait avec une finesse, sans parti pris. C'est un film extraordinaire. Messieurs, je vous remercie. Donc, si j'ai bien compris, ce sont les syndicats qui ont tué Kennedy avec un homme de main et un Français qui était quelque part dans le <coughs> sur la pelouse et que Jean-Luc Barré a vu personnellement. Euh, oui. Je recommande vos deux ouvrages et euh, donc on trouvera donc sur nos, la référence sur notre site. Je dis à nos auditeurs que dimanche prochain nous sommes en direct de l'école alsacienne et qu'ils peuvent d'ores et déjà s'inscrire. Sur notre, sur notre site et je remercie Maximilien Radvansky avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis que Olivier Magloire veille aux plateformes de financement. Je remercie aussi Manon Boisard qui a enregistré notre conversation pour le studio L'arrière-boutique et Julien Neville les nouvelles écoutes qui donc sont nos producteurs. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau, nouvel esprit public. Merci beaucoup.